Eh bien, nous voici maintenant avec le célèbre Jean-Marc Vuillemard, joueur d'échecs lorrain célèbre, parce qu'il participe au tournoi VIP au Festival d'échecs du Conseil Général. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Jean-Marc ? Bien sûr, donc voilà, je m'appelle Jean-Marc Vuillemard, donc je suis joueur au club de Vendôme depuis 4-5 ans. Je suis un joueur de niveau moyen, mais pourquoi donc ce tournoi VIP ? Bah, tout simplement parce que dans ce tournoi figure le président du club d'échecs de Vendôme, ainsi que l'ancien président du club de Nancy en personne de Richard Douda, et Stéphane Dupré qui est représentant de notre sponsor principal qui est le conseil général de Meurthe-et-Moselle. D'accord. Et donc, j'ai quelques bonnes nouvelles à annoncer parce que ta façon de remercier le sponsor du tournoi, donc, c'est de battre son représentant, si j'ai bien compris. Alors, tout à fait. Donc, je commence mon tournoi. Je suis relativement satisfait après donc avoir fait une petite nulle contre M. Duda. J'ai écrasé le président du club de Vendôme. Voilà, donc je suis le trésorier, donc nos relations vont être tendues. Et ensuite, cet après-midi, j'ai pulvérisé Stéphane Dupré. Donc effectivement, en 15 coups, j'avais un pion, une tour d'avance, enfin voilà. Donc voilà, je suis très reconnaissant à ces gens pour les efforts qu'ils font. Moi, je pense que cette façon de perf est la meilleure qui soit pour remercier les gens, montrer un petit peu qu'on a des affinités. En fait, c'est le sport, hein, on va dire un petit peu plus simplement. Mais ok, alors Jean-Marc, tu fais le tournoi VIP. Dans VIP, il y a I, c'est le tournoi I, mais voilà, que des joueurs célèbres. 3,5 sur 4, 3,5 sur 4, ce qui est quand même extraordinaire. Alors, tu vas pouvoir nous dire un petit peu toi aussi tes objectifs dans ce tournoi, et puis si tu joues beaucoup aux échecs ou si tu finalement fais pas mal de consacres pas mal d'activités au niveau de la trésorerie du club de Vendôme ou en termes de professionnel également. Donc voilà, donc effectivement, comme tu l'as si bien dit, j'ai 3,5 sur 4. Donc mes objectifs dans ce tournoi, ça va, on va pas dire pas de présomptueux, pas de jouer la première place, mais de jouer le mieux que je peux, de retrouver confiance et de reprendre quand même tous les points élos que j'ai perdu au cours de cette année, parce que j'ai eu de gros problèmes de santé et j'ai perdu mon boulot. Donc c'est pas facile. T'annonces peut-être plus tard. Donc j'ai perdu mon boulot et c'était pas facile de se concentrer. Donc j'ai une année au niveau échiquier très 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 difficile. Donc là, les problèmes de santé s'étant réglés, je me suis bien, je me sens bien, donc il faut que je retrouve la confiance, des points et l'eau. Et le résultat final n'a pas beaucoup d'importance. Bon, 3,5 sur 4, c'est pas très important. Bon, enfin, on va dire que c'est quand même pas mal. Et tout le mal que je te souhaite, c'est de continuer sur ta lancée et de retrouver ta confiance, en fait, qui est déjà retrouvée, je pense. Hein. Merci Jean-Marc. Je te remercie bien.